De la loi. Nous demandons... Maître, c'est vous au tribunal. Merci, votre honneur. Je m'adresse au tribunal, mais je réponds au ministère public. Oui. C'est un droit. Il est parti au procès. Laissez-les se battre avec la partie de la défense. Allez-y. Que les armes soient égales. Adressez-vous au tribunal. Voilà. Je disais donc, vous avez déjà presque répondu à cette question, qu'on puisse nous enlever les mineurs ici. Et ce n'est pas leur place. Qu'on les envoie devant leur juge. On ne peut pas prendre un mineur quelque part, on l'amène ici pour dire que non, je vais faire appliquer une loi avec un mineur. Qu'il fasse d'abord respecter la loi, qu'il ne lui donne pas le pouvoir d'amener un mineur devant le juge noir. Oui, monsieur le président, votre honneur, monsieur du tribunal, le ministère public a été clair. Nous sommes dans une matière odieuse. Et les règles de procédure sont d'ordre public. Il vous demande de faire appliquer la loi. En même temps, il est en train de vous demander de le garder, de le maintenir, mais sous quel statut et sous quel acte de procédure vous allez décliner votre compétence quant à ceux qui sont mineurs et tirer toutes les conséquences en droit. J'ai dit. Sire abondamment, Monsieur le Président, Messieurs de la Composition, Monsieur le Procureur de la République. Monsieur le Procureur, qu'il sache, il est là pour faire respecter la loi. Mais quand il vous dit que le mineur reste par devant vous, la question venait d'être posée tantôt par les confrères à ma droite, sous quel statut ? Les mineurs qui resteront par devant vous, ils resteront sous quel statut? Bien plus, Monsieur le Président. La déposition que fera un mineur par devant vous, est-ce
il va déposer en qualité de témoin, en qualité de renseignant, ou il déposera par devant vous en qualité de prévenu. Que je sache, votre honneur, vous n'êtes pas le juge naturel des mineurs. Vous n'êtes pas le juge naturel des mineurs pour que les mineurs fassent n'importe quelle déposition par devant vous. Le mineur a son juge. Appliquez bien la loi. Disjoignez, s'il vous plaît. Disjoignez-moi les poursuites. Et transférez, s'il vous plaît, le mineur par devant leur juge. Nous avons dit. Maître, lorsque vous êtes un collectif, et lorsque vous prenez la parole, rassurez-vous que vous avez dit ce qui n'a pas été dit par votre prédécesseur. Sinon, vous risquez de répéter la même chose et on ne saura pas bien évoluer. Merci bien de la parole, Monsieur le Président. Nous n'allons pas faire des redites, mais nous amenons un complément quant à ça. Monsieur le Président, nous avions entendu le ministère public. Il demande deux choses au tribunal. La première chose, il sollicite la disjonction de poursuite. Eh bien, par là, il dit, le tribunal doit pouvoir décliner sa compétence au regard des enfants mineurs. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi, Monsieur le Président? Il chute très mal pour dire ceci. Que bien, malgré cela, vous allez comprendre que le fait commis par le majeur était en connivence avec le mineur et pour besoin d'enquête ou de procédure, nous estimons que le tribunal peut les garder pouvant servir de renseignement. Mais Monsieur le Président, moi j'aime bien référer le ministère public à la loi. Et quelle loi, Monsieur le Président? Je ne suis pas constitutionnaliste, mais laissez-moi aujourd'hui sortir constitutionnaliste. Parce que moi, j'utilise la Constitution comme ma Bible. Voilà ce que la Constitution dit à son article 19. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. J'aimerais bien me limiter par là, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le législateur veut expliquer? Ici, dans le cas sous examen, nous sommes en face des enfants qui sont régis par une juridiction spéciale. Et pour nous, le juriste, les enfants ne commettent pas les infractions. Ce sont des manquements. S'il s'avérait qu'il y a eu des manquements. Mais dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, c'est une question de forme. Vous demandez de garder ces enfants, je ne sais pas moi, c'est sur quel soubassement, parce que la loi portant protection de l'enfant protège l'enfant. Et dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, lorsqu'on vous dit de garder ces enfants, qui ne sont même pas assistés de leurs parents, parce que ici, nous avons reçu mandat de les assister par devoir de tribunal, qui n'est pas leur juge naturel. Et s'il s'avérait qu'il y a un renseignement, alors, Monsieur le Président, on doit pouvoir rechercher leurs parents pour qu'ils soient assistés de leurs parents. Mais pas devant le juge. Pas devant le juge. Très bien. Pour l'instant, nous chutons en ces termes, parce que je serai être complété par d'autres membres du collectif. Ce qui reste à faire à ce stade, c'est décliner votre compétence. C'est ça le bon droit. S'il vous plaît, on doit évoluer. Monsieur le Président, un petit élément de détail. S'il vous plaît, un petit élément de détail. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. La parole à l'organe de la loi. Monsieur le Président, membre de la composition, j'ai l'impression que nous sommes dans la confusion. Les enfants pour lesquels j'ai demandé à votre tribunal de décliner sa compétence, lorsque votre tribunal aura à décliner sa compétence, cela voudrait dire pour les envoyer auprès du juge naturel par rapport aux faits qui semblent être répréhensibles ou en fait utiliser les termes législateurs comme étant des manquements pour ces litiges différents. C'est leur juge naturel tel que déterminé par la loi et compétent. Mais voilà, Monsieur le Président, en déclinant votre compétence, les statuts de ces enfants, puisque mineurs, changent et deviennent victimes. Victimes de quoi? Des actes des adultes avec lesquels ils vivaient. Et l'important, c'est que votre tribunal doit savoir
pourquoi est-ce que les enfants mineurs avec des majeurs étaient détenus dans un milieu criminogène et trouvés dans les lieux de crime en train de délinquer avec les adultes? Et c'est là où, Monsieur le Président, une bonne lecture et intelligible de la loi nous amène à conclure que non, ce ne sont plus ni des renseignants, ni des procès des personnes poursuivies, mais des victimes des actes des adultes. Et à ce titre, étant en procédure de flagrance, on les défère devant votre tribunal, puisque vous êtes saisi des faits. Et le fait pour lequel vous êtes saisi, c'est que des enfants ont été trouvés avec des adultes en train de délinquer. Alors pourquoi est-ce que les adultes les ont maintenus là en train de délinquer? Et d'ailleurs, l'instruction, lors de l'instruction, vous allez découvrir qu'il y a certains mineurs qui ont été utilisés comme des esclaves, entre guillemets. Et nous allons les démontrer. Et pour cela, Monsieur le Président, l'importance de ces enfants demeure, puisque vous devez les écouter, comprendre comment ils se retrouvaient là-bas. Donc, vous n'êtes pas le juge d'un litige contre les enfants ou qui opposent les enfants. Là, c'est le juge naturel. Mais ici, c'est par rapport à leur qualité de victime. Et à ce titre, Monsieur le Président, donc, il n'y a aucune confusion. Donc, l'enfant n'est pas soustrait par rapport au manquement. L'enfant n'est pas soustrait à son juge naturel. Et également, il n'y a pas confusion dans ce que nous avons demandé à votre tribunal et nous avons dit. Le tribunal vous remercie pour sa part. Après, monsieur le greffier. Le tribunal relève que. Un élément factuel d'une grande importance puisque alors qu'ils ont toujours par moment fait l'objet de ces conflits interminables qui, on ne va pas s'en cacher, et alimentés parfois par des décisions contradictoires et uniques entre parties litigantes, mais qui atteignent souvent par surprise mes clients qui ont régulièrement acquis des appartements des mains de vous résidences. Alors que pendant cette période, il vivait une certaine accalmie. À cette date précise, telle que présentée par les ministères publics, ils ont été surpris par des individus qui ont fait preuve d'une violence et d'une telle rareté, un peu comme s'ils étaient venus en ouragan un tourbillon, en portant avec eux l'ordinateur de mon client après avoir cassé son véhicule et tous ces effets personnels qui se trouvaient dans les véhicules. Là, c'est dans le cas de M. Mukunakabuya Maurice. Les effets personnels de M. Kabangou Jacques et chez ma cliente sont dans les locaux de mon client. Ça veut dire que mon client estime que les gens qui ont fait irruption dans son appartement étaient informés de tout ce qu'il y a. Et ils l'ont appelé par son nom pour dire patron Kazou, vanda na yo ticket sur le salon. Et ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Alors, lorsque vous allez vous retirer, je ne vais pas encore. Jacques, Merci, monsieur le président. Fungoy Kabuya Dominique, merci votre honneur pour la parole. Votre lien, monsieur Dominique Goy, fait sien le fait tel qu'était par le procureur de la République, tout en rappelant sur le fait qu'il est l'un des occupants de l'immeuble carbonétaire où il est logé à l'appartement 404 qui est bien sûr bien entendu au quatrième niveau.
et en tant que tel, il a droit à un parking. Et il avait garé comme tout le monde ce jour-là, le 31, le mois passé, son véhicule Range Rover, fabriqué en 2016, de couleur grise, et mis en circulation en 2022. Et juste après le passage des prévenus, il va constater que son dit véhicule a été copieusement saccagé, pour ne pas dire détruit méchamment. Et c'est en ce titre que pour cette raison, il veut réellement obtenir une réparation. Voilà pourquoi il s'est constitué partie civile, pour que, à travers la décision qui va intervenir, qu'il soit revêtu dans ses droits et que les auteurs de ces infractions de destruction méchante puissent être condamnés et subir la peine qu'il faut. Et puisque le tribunal devra instruire, si vous me le permettez, parce qu'au-delà de l'instruction qui a été menée par les procureurs de la République avec toutes les preuves, vous voulez mettre encore à la disposition du tribunal la preuve qui atteste que le véhicule dont vous venez de faire allusion appartient bien et bien à notre client, avec toutes les preuves et destructions méchantes. Nous avons dit sous réserve d'être en public. Merci. La parole au parti civil Musinga Ndungi, Tangi Simba, Tangi Diakana, Tangi Tusoma, Tangi Lelo et Tangi Mukenguluka et Lian. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Le parti civil dont vous venez de citer sont copropriétaires de la parcelle située sur l'avenue de route de Matadi numéro 22, c'est-à-dire la parcelle voisine à celle qui abrite le QG de la Fossé. Après avoir déguerpi le locataire de cette parcelle, à l'aide de la police du commissariat provincial de Kinshasa, dans cette parcelle, la police avait fait autant de mois pour la sécuriser. À un certain moment, nous avons placé les agents de la société Mamba pour la sécuriser. Les éléments qui contrôlaient de la force du progrès au mois de janvier avait chassé l'agent qui faisait la sécurité pour s'installer dans cette place. Plusieurs démarches ont été menées devant les autorités de la RDC, mais à un certain moment, c'est-à-dire le mois passé, les démarches avaient permis que nous puissions entrer en contact avec le président de la force de l'Église, de l'Alliance, la personne de Katiba, qui avait, n'est-ce pas, permis, ordonné à ces éléments de pouvoir quitter la parcelle. Malheureusement, lorsque la police est venue intervenir, les éléments occupaient encore la parcelle, ce qui fait que pour le moment, cette parcelle est entre les mains de la police. C'est pourquoi mes clients vous abordent le tribunal pour qu'ils puissent récupérer leur parcelle. Nous avons ici Monsieur le Président, c'est le certificat d'enregistrement de la parcelle que nous soumettons au tribunal. Nous allons nous réunir pendant la procédure. La parole à la partie civile Blue Development. Blue Development. Passez-nous le micro, s'il vous plaît. Hein. Merci, M. le Président, pour la parole nous accorder. La raison de la constitution de la société Blue Development SAIM, comme partie civile, c'est que
vous avez vu défiler ici différentes parties civiles. Nous tenons à préciser à l'intention du tribunal que la société de développement a travaillé à l'élection de ces immeubles qui a l'origine de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Et la société a pu vendre quelques appartements et certains sont restés même la propriété de la société Blue Development que nous pouvons présenter même par la nôtre avec des éléments qui attestent les différents appartements. Nous pouvons dire déjà dans qu'ils sont au nombre de 4. Et nous, nous considérons partie civile par rapport au fait de rébellion à charge de M. Kabamamou Luma. C'est qu'à la requête de la société, qu'il a été procédé à la dite exécution. Et le fait de pouvoir se révéler a fait en sorte que la plupart ou le 4 appartements appartenant à la société Blue Development ont été vandalisés. Où les portes ont été pratiquement brisées et on a pris tous les éléments possibles qu'il y avait. Alors que ces appartements sont d'une très grande valeur. Et le fait pour le prévenu de se révéler a fait en sorte que nous soyons préjudiciés. La condamnation, vous savez, la Bible avait, s'il vous plaît, la Bible avait raison de dire parfois, quand nous parlons trop, il nous arrive même à nous. Nous pouvons dire des choses incongrues. Parce que vous déclarez des choses qui ne reflètent pas la réalité. Ces gens sont des présumés innocents. Et nous devons vérifier les faits pour décider sur leur sort. Alors, évitez cet échange de paroles avec les tribunaux. Votre honneur, merci. Monsieur Laurent de la Loi, s'il vous plaît, le parquet est moi dit. On va vous revenir. Merci, monsieur le président. Nous ne verserons pas dans les attaques que nous estimons être inutiles. Mais je voudrais quand même rassurer par votre tribunal le parti, c'est que. Primo, la réquisition dont question n'est pas l'œuvre d'officier du ministère public. Lui-ci a fait application des textes de l'ORADA. Secondo. S'il vous plaît, monsieur le procureur, s'il y a des prévenus qui veulent la laisser soulager, l'audience, on les met à la disposition des éléments de la police pour les escorter et pendant que le parquet va poursuivre, parce que ce sont des besoins vitaux, il faut les aider à s'évacuer. Poursuivez, monsieur le procureur. M'attendez l'escorte de la police. Secondo, nous n'avons laissé personne en chemin, puisque nous avons fait venir les conseillers juridiques de la LENI qui étaient sur le terrain pour qu'ils nous disent ensemble qu'est-ce qui s'est passé et comment ils sont arrivés là-bas. Donc, qu'on ne reproche pas au parquet d'avoir rien fait, mais les conseillers juridiques qui étaient sur le terrain, parce que nous avons estimé que le général Magnan n'était pas sur le terrain, mais les personnes qui étaient sur le terrain, les conseillers juridiques, doivent se trouver quelque part ici. Si votre tribunal autorise, ils se mettent debout, parce que c'est eux qui étaient sur le terrain. Donc, par rapport à cette préoccupation, donc, la réquisition n'est pas l'œuvre de l'officier du ministère public, c'est l'œuvre du huissier. Et des deux, le représentant de la LENI qui était sur le terrain, qui peut nous renseigner par rapport aux incidents et également là. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Attendez maître. Est-ce qu'on peut évoluer? J'évolue. C'est très capital. Nous sommes la défense. Nous voulons faciliter la tâche du tribunal pour faire éclore la vérité. On ne refuse pas. Vous refusez que le prévenu, même son droit de parler devant la tribunal. Vous avez commencé avec. Mais vous faites une structure parce qu'il n'y a rien. De prévenir que je suis en train de solliciter. Oui. Il ne faudrait pas que vous commenciez à dire qu'ils ne vont pas comparaître, ça ne sera pas bien pour le tribunal. Nous sommes en train d'aider le tribunal. C'est une demande qu'eux ont formulée pour qu'ils puissent comparaître. Il doit voir ici M. Freddy Kacham. Teddy Kacham. Maître, là, le tribunal vous coupe la parole. Là, on n'est pas d'accord avec vous parce que lorsqu'on vient dans un procès, le prévenu n'a pas le droit d'imposer au tribunal la démarche à suivre. C'est son droit de garder silence s'il refuse de comparaître, tant mieux pour lui. Mais il ne peut pas dire je dois comparaître nécessairement à condition que tel vienne. Il peut solliciter du tribunal. J'estime que pour une bonne évolution par rapport à telle ou telle autre question, je serai à l'aise d'être confronté par tel ou tel et le tribunal va apprécier.
et laissez-nous évoluer. Et cette question n'est pas élaguée, elle est juste mise en berne, elle sera examinée. Maître, attendez, s'il vous plaît. Comparez le prévenu Ngandou. Accordez-nous de cesse une seconde de parler avec le prévenu, d'interroger le prévenu. Baissez la main, vous aurez la parole après, juste après ici. Comparez le prévenu Ngandou. La salle qui portait, la salle qui recevait, la salle qui pouvait, mais ça ne soit la salle à l'amour. 45 personnes ont été dans la monde. Vous voyez dans la monde? Bon, je suis dans la ville qui a eu un peu de personnes. Mais je suis sous vous, pas ça. Parmi les 45, il y en a un peu de personnes. Oui, tout à l'heure, au téléphone, aux Alakia. Oui, tout ça, les sous-sonnats, achats et parquets, papa, bisous, naïpen, maison pour moi, profit, papa, bisous, papa, pour moi, qui était pour moi, bisous, ton nom du procès, voilà déjà, tout ça, là, qui n'a pas d'effort à l'immédiat, parce que la maison pour moi, il y a un agent pour son parquet, tout ça, là, mais ça, là, c'est maintenant, papa, c'est plus son pour. Est-ce que la rôle n'a eu pour le bâtir aux arts combattants? La rôle n'a eu en tant que combattant. Nous sommes là pour que les gens soient en train de se faire pour vendre pour véhiculer la valeur de la partie et pas battre aux apportants. Les combattants sont en train de se faire. Les combattants sont en train de se faire. Ceux qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Et ceux qui sont en train de se faire, il faut qu'on me demande, parce que battre ceux qui sont en train de comprendre mal. Bato ya ki na bango. Musala mbongo, ba yeko sollicite yo. Yo meni, ba membre ya parti, na musala yo mbongo. Est-ce qu'on peut expliquer le tribunal à comprendre madame ou ce qu'ils allaient qui n'est ni? Mais ba mamba a parti de dosala la bango, a pas ba maza la ba mi nous soute, ba mi na masse et ba combata. Si vous bolongwe na bisika bozaki na immeuble vieux, pourquoi vous n'avez jamais de l'autre? J'ai les maisons là toujours les gars pour tout ma botana, pour ma sous-image de transport, toujours ma base des assises là, tu vas aller pour les gars. Na allé pour les gars qui sont là. Na allé pour les gars qui sont là, y a pas de tir. Bon, on avait tout changé de la colonie. Bon, les amis, c'est l'eau sensation de mon patin pour la ganamon à bosse à naïe pour une abonso ma vie téléphonazoumé des élaos. C'est l'eau de l'épée esprit pour dire à mon mot à ta moula. N'a pas venu ici au Alizan. Ma naïe bien à mon affaire de Giesa va combattre. La vie à Gessanta va combattre. Il y a qui s'est à combattant. Donc, le pain au siège, il y a un combattant, il y a une défense. Il y a un combattant. Donc, nous avons évité de faire un combattant, il y a un combattant. 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 Pour vous, la table à 5 personnes.
pour 100 personnes, vous avez tout mon délire. Oui, bazo à ma famille. Bazo à ma famille, il y a une année. Vous vous dites cachot pour nous prendre la vie. Chaud. Cachot. Et cachot, ils ont la vie. Cachot, ils ont la vie. Cachot, ils ont la vie. Réponse à l'Eurobaki, oui, caché les habits, les hommes à savon, mais les cibles de chacun. Ah, c'est le mot de la vie, les hommes à cachot. Ah, c'est le mot de la vie, les hommes à cachot. Et puis, il y a des hommes à cachot, les hommes à cachot. Oh, c'est bien sûr, les hommes à Relis signature. Voilà. Où est signature là? C'est là, yo. Ça va. Badounio. Objet, il y a présence dans une image de Cameroun résidence. Où est-ce que vous avez dit, les gens qui ont été mis en place, les gens qui ont été mis en place, les objets, habitants et immeubles. Et puis, nous avons été sollicités par le président fédéral, Freddy Oyo, à l'IEPSA-Kibisoka, à rencontrer sa mission ensemble, là, par les Marini, et puis... Il a fait aider par Takibiso. Après quoi, Takibiso, Nancy Mawana, les va combattre, les va tomber. Maintenant, on tombe dans la bango, car tu vois la mobimwana, ils ont la policier, ils vont dire pour bien t'aviser au massacre, ils vont la tirer vis-à-vis à Rotana. Et voilà, ici, on a dit qu'on a vidéo, oui, vidéo, on a ça là, parce qu'elle a commis un endroit pour la monnaie, va proposer à madame, on lui parle de deux, on s'en a attendu un endroit pour la haie. Ton coaching un endroit pour la haie, pour la repasse de biloko. Mais on a ici, on a pu te dire que, comme on a porté à maman, on lui dit qu'on a des avenirs. Des avenirs, puisque nous avons la première avenue, tous ceux qui ont capoté le mango, au hôtel de Rotana. Il est à Zalina. Ce que le dit des m'a venu, au moins il n'y a pas. Mais pour notre bon, même pas de courant. Et là, on a la samba, il y a un peu. J'ai l'air, mais ça, c'est là, tous les gars. Tous les gars, Batonier va attaquer Bissou. C'est que les gars vont attaquer Bissou pour vous. Les gens vont tomber sous, ils vont blesser, ils vont tirer dans l'hôpital ici. Oui. Le tribunal est en ligne, réponse à vous. Alors, par rapport à la question, où est allé Mamba Kachou? Quand vous allez tenir au Galobi, vous avez confirmé la présence de la cachot dans la base latino. Et à Noël Ariel, il a dit oui, vous avez confirmé. Tout le monde, la salon. Réaction des amis par rapport à la route. Il y a un cachot dans la limite. Il y a un cachot qui est tout seul, mais tout seul, il y a un cachot dans la salon où tout le monde est ensemble. Oh, il y a un cachot tout le monde. Parce que nous avons un cachot par rapport à quoi? Nous avons une force de progrès. Ceux qui ont un cachot à Salimbeba, les bandes, nous avons un cachot à Bongo, nous avons un salon, mais ça nous a cachot des andes pour nous vendre la gâteau, la gâteau. Mais vous avez une mieux sur la base, on a un commande, on a un cachot à la courant. Mon toit commande à la cachot à la courant, vous avez un cachot. Ngando ou Ngando. Où tu expliquais que tu n'as pas que pour se retrouver d'ici qu'à Bakenda qui au Kangalabino, et ça vous a dit qu'on est vous a dit un objectif nous sous. Tu veux expliquer que tu n'as pas que l'objectif nous sous est exactement nous sous. Que Freddy, Kachamara, beaucoup de gens ne l'ont dit par hasard. Tu veux expliquer, il a proposé même 105 000 dollars pour ça l'opération, n'est-ce pas? Mais quand vous avez mis un parquet, vous avez expliqué, vous avez expliqué que vous avez eu contact avec Freddy une semaine avant. Une semaine avant, Freddy a été à Benguio. Freddy a expliqué au même conflit où ils allaient entre Kamoul Inter et Mondele. Entre un blanc et M. Kamoul Inter. Les magistrats et parquet a joué expliqué. Bon, aujourd'hui, considérons que nous avons dit que nous avons dit que
ils ont par hasard, on est aussi retrouvés avec un cop. Et moi, vous avez un peu ça, et l'autre qui combattait en bon côté, cop, cac, a coûté un envoi à coup de main, 5000 dollars. Mais il y a un moment où on dit, ah ok, une semaine avant, ils ont quelque chose déjà de préparé. Pour le bien. Ils ont là qui préparé des. Pour eux, il y a un peu de temps dans le parquet. C'est un bon mot à avoir 100 dollars. Il faut dire que c'est un bon mot à son balambo fort, on a vu pas du temps. Donc, ceux qui n'ont pas qui bon mot 100 dollars parce que on les a dit, donc il va tortiller au bas, pèse un an avant pour nous en bas, si n'a pas mal, on les a pas un mot à s'amuser un an à bout. On va s'amuser un an à bout, on va d'abord la salamé par l'image à bâcher les humains à tout ça. Kennedy, oui, ça tu dis. Il nous dit que vous avez 45 personnes, c'est ça? Oui. Vous êtes qui vous êtes? Vous êtes qui vous êtes? Vous êtes qui vous êtes dans le moyen? Vous êtes qui vous êtes? 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 Vous êtes c'est moi aussi, c'est mais, l'Ibosso est OPJ. Au lobby fédéral, il a fait ça. Ah, et puis c'est un acquitté, tout au bout de la métropole, mais après ça, il a un bon côté. Si quoi, pour la cause de la bis, pour beaucoup dans le jour où on a. On a besoin de la bise. Mon papa bâtonné dans Zélanda, a béni Freddy à FCGT. Ah, on a monné déjà tout pour la force du progrès bazar, mais eux, ils sont là qui sont déjà dans le bambou. Et va béni là, des prochains à FCGT, mission pour FCGT, bon, on a moins pour la roussade. Oui, tout ça s'est retrouvé parce que va moyen, ils allaient qui n'ont pas. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train moi, na sali mabe kokote na chambre yo kokima. Waneza comportement na biso za na kacha force du progrès entre la biso na biso. Donc ceux qui m'ont dit sali meba les mêmes salons za salon na biso za kachoté. Za le roi moi na sali meba biso qui était le roi ma libanda le pan te za na kacha le pan. Bon papa na chef Nazana ba directeur, Nazana directeur, Nazana secrétaire, Nazana cordon, Nazana ba conseiller, Nazana ba disciplinaire. Et des tribunaux, yo, chef. Chef. Nani a l'indi? Nani a l'indi? Directeur. Combo nani? Bon, combo il a la. Ludi qui vous même est sobre. Azama. Vous allez? Azama. Et après, il y a une année tous. Après, il y a. C'est avant les cas. Il y a. Oh, les amis, comme on a dit, il y a des amis. Il y a des amis directeurs du cabinet. À ça, la canine. Il y a un peu de temps. Mais directeur, vous savez, dans les administrations, on a vos opérés, madame Moussou, on a vos salaires, on a vos après dire cap les allées dans secrétaire comme on a eu comme un tonton Azade oui à la dit à la dit coordination cordon titulaire à la dit sous cordon adjoint. Mais ça va combo. Bon, pour le titulaire, comme on a si le mot de Dieu est compatrié. On
na bato bozana directoire na bango oyo basunga kayo na force de congé na nzamba oyo oyo basi ya kama banana comité voilà bon voilà bozana trois personnes na ni na bon nzamba posé logistique comment le tumba muso mabitu nani muso Nazali na conseiller mususu. Bon voilà, tu dis bien katao. Nazali na représentant discipline. Tumbagasha. Nazali. Nani mususu. Un des membres du bureau pour Nazana. Au bazar. Ah oui. Ok. Un des membres au bureau, c'est le directeur du cabinet au Tanguan. Je vous demande qui vous a dit cela. Directeur du cabinet, c'est un voyage dans Kisangani. Ok. À la limite. C'est qu'on a 45 personnes en Europe au Kenaki. Hein? Au lobby qui est à bazar 20. Mais bah, quand on a présent, il y a des gens qui ont été en Alors, Monsieur le Président, Monsieur Augustin Kabouya, quelles sont ses attributions à cette IGS? S'il vous plaît. Il y a un moment où il y a un peu de temps. 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 Et avant que ce qu'on a réponse, on dit qu'il faut se bouger. La question, il faut que sa réponse soit. À la secrétaire générale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais que votre tribunal rappelle au prévenu qui n'est pas obligé de répondre à nos questions. Oui, on l'a déjà dit. Les questions sont comme on dit que soit là, on a la réponse, on a la réponse. Alors, Monsieur le Président, le 17 décembre 2023, voilà ce qui est l'état. Mais le prévenu qui agit. Oui, les prévenus répondent d'abord et vous allez prendre les réponses. Je pense que si bien mettre un tombeau, attendez que les prévenus répondent à la préoccupation, vous allez prendre la pièce s'il va falloir l'exploiter. Ça pose aucun problème. Que c'est à la tribunal pour aujourd'hui, pas la tribunal. Il y a tellement de prévenus et les dit. Vous avez bien vous allez madame pour comment changer de prévenu. On va voir si on a mal à la partie. T'es moyen le lieu d'un politique, c'est toujours vérifié. Mon politique. Est-ce qu'on voit une mise à mise au